bien, salut tout le monde, c'est XVSK et aujourd'hui on se retrouve pour nos aventures sur Marvel Spider-Man, le DLC La Guerre des Gangbang. Et la guerre du Gangbang aussi, où que ça soit. Bon. On va se déplacer, telle une araignée, hop là. Allez vas-y mon Spidey là, je me sens un petit peu mou du genou là, je sais pas ce qui se passe. Pour une potentielle exécution de la Madja dans la zone. Non, c'est bon, la Madja. Là, j'ai envie de finir le DLC un petit peu. J'ai envie de voir si Black Cat est de retour. Aujourd'hui, dans État de fait, avec J. John Jackson, la Madja mène une guerre de gang dans les rues de Manhattan. Ah! Ça a été. Violent. Tu faisais quoi? Ok, je suis arrivé avant la police. Voyons ce qui se passe à l'intérieur. Qui a pu faire ça? Oula! Yuri? C'est la première fois que je vois Yuri perdre le contrôle. C'est quoi ça? Spider-Bot! Wouah! J'arrive pas à croire que tu t'en sois sorti, petit gars. C'est un téléphone? Un appel de Vinny? Allô? Vino, qu'est-ce que tu fous? Le flic vient d'attaquer l'entrepôt sur la troisième! Et la flic? L'autre Watanabe, là, elle a tout défoncé. Je largue les blessés à l'hôpital Mercy et je retrouve l'équipe pour le coup de ce soir. Et t'es prêt pour... Qu'est-ce qu'on fait ce soir déjà? T'as picolé ou quoi? C'est le grand soir. Le boss veut que tout le monde soit au taquet. Alors active-toi et retrouve-nous au point de rendez-vous. Le grand soir? Hammerhead va sûrement s'en prendre aux donnes. Mais comment? La seule piste, c'est ce Vinny. J'espère que j'arriverai à l'hôpital Mercy à temps. Oula, qu'est-ce que... Yuri a pété un câble. Yuri a dit qu'elle allait lui montrer ce qu'était la peur. Mais sincèrement, c'est pas ce qui m'inquiète le plus. Il y avait quelque chose dans son regard. J'ai déjà vu ça chez plein de criminels. Mais jamais chez un tel. Yuri va péter un câble? Ah, c'est le cas, ça va être génial. Hey, Malucette. L'hôpital Mercy. Ok. Je vais tracer tous les téléphones portables utilisés ces 5 dernières minutes. Si notre ami Vinny est encore là, je devrais pouvoir le trouver. Ça capte. Mais je dois me rapprocher pour m'aligner sur le signal de Vinny. Il ne reste plus qu'à isoler le signal. Non, c'est pas Vinny. Allez, Vinny. Allez, Vinny. C'est pas lui. Je vais continuer à chercher. Allez, faites que ce soit lui. Pas son identifiant. Merde, où le dernier? J'ai un bon pressentiment. Non, allez, allez. Ah, il est forcément encore là. Ah, d'accord. J'ai l'impression d'être un espion. Allez, allez. C'est pas lui. Oui. Ah, c'est lui. Vinny, mon héros. Et voilà Vinny. Je dois rester près de lui. Mais pas trop. D'après Vinny, Hammerhead a prévu une grosse production pour ce soir. Et ça m'étonnerait que ce soit une comédie musicale. Ou une comédie. Ou même... Allez, Vinny, fais quelque chose. Tu es mon seul espoir. Il monte dans une voiture. Mauvaise idée, Vinny. Des places de parking comme celle-là, ça court pas les rues. Hammerhead s'est pas manifesté depuis qu'il a kidnappé les Centrodon. Ça doit être en rapport avec eux. Il faut que je tire tout ça au clair et que je retrouve Hammerhead avant Yuri.
vais te voir Yuri en mode meurtrière là. Oh là là, non, je veux pas faire mon passager relou, mais quand même, intéresse-toi au code de la route, un minimum. J'essaie de ralentir un petit peu, mais bon. C'est sûrement là que Vinny devait retrouver le reste de l'équipe. Je devrais les écouter. Ça me permettra d'en savoir plus sur ce fameux grand soir. Quand est-ce qu'on va au chantier? Plus tard, le patron veut une lumière d'ambiance. Il adore les mises en scène. Ok, tu me diras si tu croises Gino, hein. Je lui ai donné rendez-vous ici. La petite soirée des gangsters aura lieu sur un chantier. Ouais, et lequel? Red en possède une demi-douzaine. Ça, c'est bon. Il a pas vu venir, celle-là. C'est bon, je prends la relève. Merci bien. Niquer sniper d'abord, non? C'est quoi? Ouais, ils sont où maintenant? Il se passe quoi sur la mission là? Putain! L'alerte a été donnée. Fais chier. La petite soirée des gangsters aura lieu sur un chantier. Ouais, et lequel? Hammerhead en possède une demi-douzaine. Je dois rester caché pour écouter leur conversation. C'est bon, je prends la relève. Merci bien. Ah, c'est eux. Ouais. Cette folle me harcèle de texto. Minute, minute. On va dans l'Est ce soir ou on va dans l'Ouest? Dans l'Ouest, pauvre tâche! Suis un peu! Ok, ok, pardon. J'ai une oreille interne détraquée, ça me désoriente. Un chantier dans l'Ouest. Ça se précise, mais c'est encore vague. Je dois encore tendre l'oreille. Tendre l'oreille avec qui? Ah, il faut que j'entre dans le bâtiment pour espionner, d'accord. Mais il est où, Gino? C'est lui qui doit s'occuper du béton! Le show démarre à 21h pétante! Je vais voir au camion toupie, ce sera prêt à 21h. Promis. Ça commence à 21h. Je note, mais il me faut une adresse. C'est bien mignon, mais normalement je pouvais accéder au truc là-bas, pourquoi est-ce que maintenant je peux plus? Alors,
Mec, c'est le chantier près de la ligne 1 sur la 34e. La G passe même pas à Manhattan. C'est quoi ton problème? Ah, ça va, lâche-moi, je viens du New Jersey. La 1 sur la 34e, ça va? J'ai pigé. Un chantier sur la 34e? C'est Hudson Yards? C'est bon. Hammerhead va s'occuper des donnes ce soir à Hudson Yards. Maintenant, je dois faire en sorte que ces types ne rappliquent pas tout à l'heure. Tout. Je me tape le gros. On va t'écraser, l'araignée. T'as envie de mourir, ça? Ouais, allez, salut. Gros pas. Ok, le compte est bon. Apparemment, la production a lieu ce soir. Pourquoi j'ai le sentiment que ça va mal tourner? Parce que ça va mal tourner, tout simplement. Ok, place au spectacle. J'espère que j'ai une tenue correcte. Pourquoi Hammerhead refuse d'être un mafieux normal? Il pourrait, je sais pas moi... tenir une boîte de transport des déchets, porter du sorbet, tiens, se faire gaver de pizza, magouiller dans son coin. D'où il sort toute cette ambition? Ça doit être la plaque dans sa tête. Pourvu que j'ai encore de l'avance sur Yuri. Si elle se retrouve nez à nez avec Hammerhead, elle risque de faire une bêtise. Terminé. Allez, on a juste 1,3 km à faire. Hop. Ouais, c'est le leader. Salut Max, ça va? Pourquoi tu me demandes ça? Ah ouais, je t'ai pas encore parlé du speeder ancien. Je mets ça sur la liste pour la prochaine leçon. Ouais, je vais bien. C'est juste que je suis à l'hosto. T'es à l'hôpital? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Y'a quelqu'un qui est venu? Non, rien à voir. En fait, y'a rien, je... j'ai juste sauté d'un pont. T'as quoi? Y'avait un pont... j'ai sauté. Dans le Queens. Mais ça va? J'arrive tout de suite. Non, j'ai rien, je t'assure. Enfin, je me suis pété un orteil. Tu savais que ça pouvait pas se soigner? Genre, on te dit, pas de bol, voilà. Miles, ça va pas de faire ce genre de truc? Bah ouais, je m'en rends compte. Je suis sérieux. T'as peut-être des pouvoirs, mais t'es pas indestructible. Crois-moi, tes pouvoirs... Oh, ça me fait trop bizarre de dire ça. C'est une responsabilité. Tu dois toujours garder ça en tête. Ouais, désolé. Je ferai des efforts. J'en doute pas. Et on se revoit ce week-end pour une nouvelle leçon, ok? Ok, merci Peter. Remets-toi bien, fiston. Les donnes de la Magia. Croyez qui voilà, le nuisible, juste à temps pour le direct.
Direct ? Bonsoir New York. Bienvenue dans l'émission de ce soir, la relève de la garde. Qu'est-ce que c'est ? Vous vous rappelez l'époque où honneur et loyauté étaient plus que des mots ? C'est du ciment ! Quand la magia était crainte et respectée. Ce soir, cette époque va faire son grand retour. Allez ! Au secours ! J'aimerais vraiment pouvoir me joindre à vous. Ne bougez pas. Je vous retrouve très vite. Il faut que je m'occupe du type aux commandes de la bétonnière avant que les tonnes se noient. C'est bon. Pour l'instant. Maintenant, faut plus qu'il touche aux commandes. On fait un signe de Yuri. C'est vraiment arrivé le premier ? Oh non ! Ils ont relancé la bétonnière ! Oh ! Il m'en coule plus ! Allez régler ça ! Pleine de mafieux. Faut que j'éloigne ce type de la bétonnière. Quelqu'un pour la bétonnière. Toute cette ville sera bientôt plus forte que l'oreille. Ah, ça va être chaud. Les donnes vont devoir patienter encore un peu. Je peux plus bouger les bras. Pour un peu d'air. Désactive pas la bétonnière, les donnes vont y passer. Mais quoi ? C'est absolument pas ce que je vais faire ! Vous savez, j'aurais beaucoup moins de mal à vous aplatir, hein ? Sans vos boucliers. Putain, faut survivre combien de temps à cet enfer ? Eh, ça vous dérange pas si j'appelle ça des perforatanks ? Je laisse l'idée faire son chemin. Tout le monde pense que les boucliers, c'est top. Non, en vrai, c'est... Ah bah non, 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 c'est top. Encore un perforatank. Je me demande s'ils ont des porte-gobelets là-dedans. Hey ! Les perforatanks ? Fous de ma gueule ! Ah bah je sais pas, vous savez qu'à leur donner un nom aussi ! Les... Tu veux crever, hein ? Classique. Ok, vous voulez que je fasse ça comment maintenant ?
Bon, je vais récupérer un petit peu d'énergie là. C'est bon? Non, non! Oh, la bétonnière est détraquée et on peut plus l'éteindre! Il faut que j'essaie d'entoiler la bétonnière, pourvu que ma nouvelle formule renforce les bonnes générations! Rattrape pas! C'est bon! Maintenant, mes toiles cochent la case à l'épreuve du ciment. Hey, ouf! Il n'y a pas de nous aider là! Surtout, tenez bon, on va vous sortir de là! Les Dons sont en sécurité avec la police. Autour du grand méchant à la tête plate. Bien joué, l'insecte. Tu as gâché ma petite fête. Mais c'est comme ça. Les aléas du direct. Ça te plaît? Le projet Olympus en action. Je l'ai terminé pendant que tu t'amusais avec les Dons. À la haute couture, c'est vraiment plus que c'était. Je suis désolé, mais le gris métallisé ne va pas au teint. Il faudra du temps pour redresser la pègre de cette ville. Avec ça, ma place est garantie. Garantie sur le long terme. Tes pièces, elles sont peut-être garanties, mais toi, t'as pété un plomb. Non. Tu vois, tout ça, c'est ce qu'on appelle de la communication. La ville ne prend plus la magia au sérieux. Y a plus de respect. Mais quand New York m'aura vu te briser en deux, les choses vont changer. Il est temps de revenir à nos heures de gloire. Nani ? Oh putain! Il a une barre de vie au moins! Peut-être avec ton obsession pour le respect, on a l'impression que tu manques de confiance! Je vais t'en donner, moi, de la sécurité! Oh! Mais d'où il sort ? Regardez avec ton exosquelette géant là. Personnel, ne pas aller vers lui. Mais j'ai esquivé là. Oh.
putain de combat d'endurance quoi. Police, plus un geste. Bah ouais. Te transformer en aberration de la nature, c'était peut-être pas une si bonne idée, tu vois. Hé, hey, dis, t'as pas entendu quand je t'ai parlé de long terme? La Magia a toujours eu de la patience, mais elle attendra le moment opportun pour... Yuri! Non! Yuri! Faites pas ça, capitaine! Non! C'est pas bon. Quand on s'est vu l'autre fois, tu m'as parlé de la peur. Comment tu te sens, là? Je suis au top. C'est moche pour le capitaine, mais je suis contente que ce pourri soit mort. Qui a dit qu'il était mort? Ah ben voilà, il n'y a plus qu'à attendre la suite. Le prochain DLC, c'est le retour de Silver. L'armure d'Iron Spider. Pas de dialogue? Ah ouais, c'est vraiment Iron Spider ça. Ça fait vraiment fan service les armures. Hein. Bon, bah vu qu'il n'y a pas de dialogue, bah voilà, Yuri, je sais pas ce qui va se passer avec elle. Hein. Peut-être qu'elle aura des circonstances atténuantes. Hein. On ne sait jamais. Par contre, c'est un petit peu dommage d'avoir la tenue d'Iron Spider et au final ne pas pouvoir voler, quoi. C'est un petit peu dommage, ça, je trouve. Enfin, en même temps, ce serait trop simple alors. Bon, bah du coup, on va parler du DLC. Bah écoutez, bah. C'est sympa, franchement c'était sympa. Je trouve qu'au niveau scénaristique c'était légèrement plus violent que le casse. Hein. Mais franchement je crois que c'était plus court. Je pense franchement que c'était plus court. Peut-être moi, hein, je suis pas sûr, mais bon. Voilà, c'était un bon petit DLC. Bon, c'est très court, hein, voilà, comme j'ai dit. Mais niveau scénaristique c'est franchement prenant, j'ai envie de dire. Hein. C'est clairement mieux que certains DLC de Batman Arkham. Mais ouais, c'est, malheureusement c'est un peu court. Franchement c'est le seul reproche que je peux faire. C'est que c'est vraiment très 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 court, malheureusement. Bon, ben allez, loulou, on va se laisser ici. Prenez soin de vous, prenez soin de rock'n'roll. N'oubliez pas d'avoir la... Houiiiii !
attitude. Comme d'habitude, je trouve au cul. Vous gottez la chanson, vous conseillez avec ce conseil dicton. Je vous laisse. Je fais plein de tout partout. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Surtout, ciao, bye, bouti bouti. Et que l'amour du PNV soit avec vous. Peace.